C'est parti pour un petit Elden Ring avec ma suave voix de crooner. Allez, c'est la rage. On va rager ce soir. Je vous promets. Qu'est-ce que c'est? On était où? Ah oui, d'accord. C'est parti pour la crampe. Regardez-moi ce style de crampe. C'est crampesque. C'est crampus. Toi, tu vas finir ta vie dans mon culé. Oh, oh l'esquive! Waouh! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On est la crampe au bout d'un moment là. Y a pas à chier, mec. Ok, ça dégage. Toi. Oh, toi, mon pote. Tellement foutu. Don't touch me, don't touch me! Waouh! Oh merde, 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 je ne sais plus les touches. Mais vas-y, attaque! Oh putain! Je commence déjà à m'emporter, c'est plus. C'est complètement délire. Oh toi, oh toi! Ok, tu vois bien. On se remet dans le jeu, on se remet dans le bain. On se remet dans le bain du jeu. Quelle angoisse. Oh, 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 oh! T'es le malin, toi? Prends ça dans ta gueule. C'est les aventures de la crampe, regardez, elle vient de sortir de son cachot. J'ai quand même envie de le faire très très musclé, vous en pensez? Parce que là, regardez, sa chevelure cache complètement son corps. En même temps, il a un tellement beau style de chevelu. Attends, vous vous rendez compte, j'ai froid au cou là. J'ai froid au menton à cause de cette barbe taillée. Attendez le petit bruit. Il y a un petit bruit. Qui es-tu? Où es-tu? Entends-tu? C'est non loin là, c'est près de nous. Oh, de l'autre côté. Là. Non, c'est en bas. Mec, deviens dingue. Ah putain, on va pas réussir à trouver. Oh là, oh là. Qu'est-ce que t'as là? Ok. Oh là là. Et vous savez que des fois je m'étonne moi-même. Je te trouverai, saloperie tintinabulante. Je te trouverai, je te tuerai. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, fantôme m'a fait peur, enfoiré. Allez, tire. Nul. Essayez, doigt. C'est faux. Mais qu'est donc-t-il arrivé à ce village? Ah ok, ok, ok. Oh wow, wow. Ce dieu Bajo. C'est la baisse internationale. Ah, ta gueule. Directement dans ta gueule. Yes, on a gagné une petite fiole. Espèce de petite fiole. Tu es la reine des fioles. Salut, tu veux parler? Moi aussi.
C'est pas cool. Quoi, le crabe, c'est pas cool. Allez, t'es mort. Alors, la vérité, si je mens... Regardez, elle était en haut. Là. Alors ça, c'est des aspicouilles. Des espèces de couilles, voilà, tu voyais, qui aspirent l'air alentour. Et alors, petite astuce, regardez, vous ne connaissiez pas, c'est pas grave, je vous la donne. Comment ça s'appelle? Putain, on comprend plus rien ce jeu. Attendez. Il faut trouver un truc à lancer qui est du poison. Là. On n'a pas, évidemment. On n'a pas. On a tous les objets sauf ça. Mais oui. Ben, il fallait que ce soit ça. Quelle arnaque! Et comment on chope ce truc là-haut, là? Attends, mais c'est impossible. Genre là, il faut l'arc uniquement pour ce stremon. Uniquement pour cette daube. On va se débarrasser. On va se débarrasser des terreaux couillax. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a touché là. T'es malade toi. Oh putain, mais c'est violent! Putain, ce jeu c'est un peu le Dark Souls des open world. Oh putain, non. Je ne peux vraiment le toucher quoi. Ah merci, ouais. Un super conseil. Putain, je me suis empoisonné comme une merde. Comme une merde. Ok. Maintenant que j'ai ça. Comment je vise ? Il a l'air con, putain. Bon, ça marche, ta merde. Enculé. Quelqu'un a déjà chopé ce truc? Dites-moi sur le chat, bien sûr. Oh, je me gèle un peu les couilles. Et comment faire? Il doit bien avoir un moyen pour les gens qui n'ont pas d'arc. Sinon c'est quand même insupportable. Oh putain, la vie, la vie. La vie, la vie. Il n'y a pas d'arc normal. Non, 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 non. Très bien. Pas de soucis. On va prendre l'arc à double main. Oh putain. Et on va essayer de viser. Et pas de flèche. Putain. Oh, oh. Oh yes, 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 vite. Oh. Vite, vite, d'autres objets, non. Ça pour ça en plus. Oh, putain. Quelle horreur. On a résolu le mystère de la petite saloperie contre le plafond. Nos soussailles. Regardez, c'est pas beau ça, l'Urnia. Le lac Clément. Rien à voir avec sa faculté à pardonner les crimes. MDR. MDR. Alors voilà. MDR. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas où je suis là. Trouvons un donjon. J'ai envie de me faire un donjon là.
C'est le speedrun. Faut deviner. Alors là, j'ai aucune idée d'où je suis. Elle va pas se faire avoir. Alors, si j'ai bien compris, si je vais au nord-ouest, c'est-à-dire par là. Oh, c'est un dragon. Gardez le dragon. On va y aller tout doucement. Il faut vraiment y aller sans faire de bruit. Comprenez? C'est très délicat. Oh merde, 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 merde. Oh putain. Prends tout ce que tu peux. J'ai la clé, j'ai la clé. Sors. Attention, lui il est vénère. Me touche pas. Ta sœur était une pute. Il te court. Alors, ta sœur était une pute, d'où ça vient? Ça vient que, dans la croyance populaire, tous les dragons sont femelles. Vous savez pourquoi? C'était des métaphores, en fait, pour les femmes de l'époque. Et les femmes, vraiment la femme, tu vois, c'est ta femme, tu vois, la ménagère. Soit ça, soit tout simplement, tous les dragons étaient femelles, hein, du temps où ils existaient, bien sûr, comme vous le direz, les plus érudits d'entre nous. Putain, cavalier de mes couilles. Waouh! Il maîtrise le saut. Me touche pas, me touche pas. Alors ça c'est chou l'esquive, hein, vous comprenez. On n'a pas le temps de niaiser avec ces saloperies. Finalement, est-ce qu'on ferait pas mieux de se casser? Putain, j'ai les cheveux dans l'œil. Ça va mieux. Cette coupe, quoi, putain. On dirait quel beau gosse. Quel beau gosse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça je connais, ça. Ça c'est l'île, l'île magique. En île élu, pouvoir magique. Regardez. Hop. Une petite... un petit site de grâce à découvrir. Grattage de nez, tout simplement. Et maintenant, on peut se reposer auprès de ce site de grâce. Et voilà. C'est tout. Qui a cru que j'allais dire pour le moment? Dénoncez-vous dans le chat. Cherchez trois bêtes érudites. Alors, normalement, si mes souvenirs sont exacts, là, on a face à des créatures qui n'ont pas de sang, donc je peux pas les exsanguer. Mais alors, si elle pop ici, c'est que... Ah, j'ai une théorie, mais elle tombe à l'eau. Par contre, là, c'est le moment où en fait tout le jeu prend son sens, regardez. Haut nécessaire et donc essayer bas. Bon, je vous jure, ça contredit pas du tout mon point, mon argument. Je voulais dire, c'est que pour trouver la tortue, c'est les messages des sous-sols qui vont nous aider. Normalement, évidemment. Ah, alors attends. Faut peut-être aller en haut. Et en bas. Salope. Ok, on en a une. Bas? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est tous les mecs qui ont cherché en haut et qui en peuvent plus. Par contre, si elles peuvent être aussi en bas là, c'est chiant. Oh, il va falloir fouiller, oh non. Oh, les énigmes. On va y arriver. On va y arriver.
Dans le cululu, pouvoir magique. Dans le cululu, c'est fantastique. Normalement, si mes souvenirs sont bons, il y en a une. Contrainte ces murs là. Oh putain, il m'en manque deux. Et où est-ce qu'elles sont déjà, c'est ça? Chien, attention, haut. Oh, j'en étais sûr. Alors là, va la choper celle-là. Comment dire? On va se retaper l'arc, hein, pas de souci. Quoique, on peut le faire avec ça, je pense. Ne touche pas! Arrête! Oh putain! Voilà ta gueule. Ok. Et la troisième, si mes souvenirs sont exacts, elle est là-bas. Bah voilà. Oh, l'énigme la plus simple du monde. Allez, dégage. Oh, toutes ces tours incroyablement pratiques pour les mages. Ce que l'on n'est pas du tout. La tour de Testu. Il était très testu celui-là. Attention, échelle. Ah oui, pas mal. Bah non. Essayez saut et donc champignon. Ah, pas mal. Vous avez vu la ref. Putain, c'est pas mal quand même ce système de messages. C'est une ref évidente à Rascal sur PlayStation. Le premier jeu en 3D d'aventure de tous les temps. Ah bah voilà, c'est quand même plus beau avec le soleil, non? Qu'est-ce qu'on est mieux là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un mémolite. Eh ben ouais, ben voilà, c'est tout ce qu'il nous fallait finalement. Si on était un mage. Oui, ça je compliqué. Alors. Techniquement. On peut entrer dans l'académie par là. Mais d'abord, avant toute chose, n'irions-nous pas faire le domaine de Caria? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Regardez là-haut. Le mont Gelmir. Gelmir? Gelmenir? Le mont Gemini Cricket. Sympa, non? C'est japonais. L'astuce, ça va être. Ah, de mettre des petits coups comme ça de bâtard. Ça va être. Regardez bien, d'aller faire ce petit château rigolo et complètement folklorique. Je puis m'exprimer ainsi. Prendre la carte, putain, c'est la map. Yes. Maintenant, quand on ouvre, waouh. Ah ouais, c'est pas mal. Regardez, waouh. Nice. Waouh. On va trouver dans ce hameau le domaine royal. Oh, c'est cet endroit, c'est bon. Avec ces espèces de tapettes invisibles. Pas de soucis, on ne se démonte pas. Ça dégage ça. J'ai pas besoin. Petit salaud. Votre père était un salaud. Ah, Iji, pardonnez-moi, ces terres royales nous furent confiées, mais nous n'avons pas l'ombre d'une chance. Faut pas te démoraliser comme ça, tu sais. L'avenir appartient à ceux qui évitent les pièges de malins, là, petit malin. T'es un petit malin, toi. Oh là 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 là.
Je me fais auto-peur, là. Je m'auto-terrorise. Inspecteur royal. Oh mon dieu, non, pas ça. C'est la pire bestiole! Lâche-moi! Nom de dieu! Oh putain! J'ai invoqué notre Seigneur en vain. Putain. Par le pouvoir du Christ de Provence. Oh. Oh. Tiens, tu m'en diras des news. Alors, nous avions pris ce chemin-là pour aller là. Ce qui nous a amené par là-bas. Oh, les bâtards! Allez, ciao! Oh, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, là? On le fait proc. Allez hop. Relevez-vous, mes Pokémons. Et leur mystère. C'est le secret de mon pouvoir. Oh la salope. Attaque-le, pas moi. Allez ta gueule. Gameya, hey, yo, soigne. Ridicule ce nom que je te donne. Désolé, effectivement. Mais en même temps, je t'ai appelé Game IA pendant des années. Sûrement même des siècles. Alors je ne t'en veux pas. J'ai rajeuni. J'ai un autre homme. Aiguille givrée. C'était mon surnom dans l'armée. L'armée de... J'essaie de trouver un élément, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine, l'armée du feu, dans l'armée du feu, voilà. Alors, là normalement, il y a, regardez-moi ça. Putain, dégage. Laisse-moi montrer aux gens. Petit mage. Je suis un sorcier, Harry. Tiens, le salaud. Je te préviens, j'ai bu de verre. Oh mon dieu, elle est complètement... elle est complètement torchée. Viens là, viens là. Oh là là, mais quel enfoiré. Ah bah écoute, on s'en bat les couilles. Putain, pourquoi je m'acharne sur cette merde. Regardez, vous voyez. Une magnifique porte cachée qui mène juste là derrière. But de verre de quoi? De la bière? Tu es saoul avec de la bière? J'aimerais tellement être comme toi. Saoul avec de la bière. 1200 runes, on va prendre ça. Ça pourrait être des verres de tout et n'importe quoi, putain. Elle fait aucune résistance à l'alcool. Eh bien, on va dire que tu as bu de la vodka. Pile ce qu'il nous fallait. Allez, c'est parti.
Montée de niveau, oui, tout à fait. On va prendre. On va prendre de la Dex. On va faire un build de Dex. Ça me fait rien à la bière à part le pissou. Putain, t'as dit ça, j'ai envie de pisser maintenant. Ah. Ah, ça m'est venu telle une envie de pisser, comme on dit. Look at you. Bonjour. We don't receive many visitors. Vous n'êtes pas humain, vous. I presume you are tarnished. Moi. What brings you here? Eh bien, tout simplement. Ah, ok. Il veut pas aller coucher. Allez vous coucher, les enfants! Oui, reviens vite. Allez, forge-moi des trucs. À propos de la forge. Alors, je ne prête plus attention à grand chose. Vous approchez trop, je risquerais de vous blesser. Je suis bien plus grand que vous. Imaginez pas comme il m'est difficile de ne rien casser lorsque je travaille. Et je t'ai vaincu, toi, déjà, espèce d'enfoiré. Je me souviens de toi. Renforçons une arme avec ces pierres de... Oh, ouais. Attends, j'en ai 4, il en faut 6, ok. Ok, je vais essayer de ne pas trop faire de mal à ce monde déjà fracturé par la fracture courante. Ça marche, et toi, attention... Oh, pas de grabuge avec tes enfants, hein. Tu leur dis surtout qu'ils vont se manger 2-3 claques s'ils ne dorment pas tout de suite. Ou alors tu leur mets bonne nuit les petits avec nounours. Et ils ont plus 5 ans, j'imagine. Donc ça risque de ne pas marcher, c'est vrai. Coup de boule balayette, tu as bien raison. Coup de boule balayette. Oh Laura. Oh putain, excusez-moi. Je me doutais bien qu'il y aurait un grand rat dès qu'il y a des petits rats. Salope. Non. Qu'est-ce que tu veux? Je déteste les rats. Allez, revite. Sinon, je vais avoir l'impression d'insulter le jeu tout seul. Comme un vieux noob. Des runes dorées. Putain, génial. Vous avez des runes, mais est-ce que vous avez des douches? Believe it or not, I'm walking on air. J'adore, putain, il me faudrait ce générique, il faut que je le trouve là, en tant que... En tant que sandbox. C'est tout ce qu'il y avait ici, un vieux cimetière nul. Dégoûté un peu. C'est pas grave. On va se faire l'académie de Caria. Ou le château de Caria, je ne sais plus. Donc, il y a ces Caria. Caria, Cariorapa. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu sur les abois. Oh mon dieu, ce que je dis n'a aucun sens. J'esquive les flèches magiques. Vous savez que je n'étais jamais mort de toutes mes runs à ce moment-là. C'est ma première fois. Et je l'ai un peu mauvaise. Pff, allez le jeu, tu vas arrêter de me baiser. Ou alors tu m'offres une clope avant, ce sera sympa. Oh putain. Récupère tes runes, vieille enfoirée. Oh. Ouah. Yeah. Yo. Ok, c'est bon. Ah
Normalement, plus rien ne peut nous arriver. Si on longe ce putain de mur. Quelle erreur merdique! Ta sœur est une poubelle! Ok, ça va. Oh. Le manoir, voilà, c'était pas le château, c'était pas l'académie, c'était le manoir. Quoi, quoi, quoi? Oh putain, j'ai eu peur! Ah! Ah! Ta sœur est une poubelle! Je sais pas ce que j'ai avec les sœurs ce soir. Putain! Bien casser les couilles! Dis donc. C'est la grande esquive. Il va falloir taper la porte. Bonjour! Oh oh, waouh 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 waouh! Ok, il va falloir aller là. Me touche pas, me touche pas! Il y a un piège là, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que toutes ces mains là? Oh, toi, toi tu vas payer pour les autres. Ah, vous avez vu ces deux mains qui font comme ça là? C'est rigolo, non? Je trouve aussi, ouais. Putain de vieux chibre. Qu'est-ce que tu veux toi? Mon pelulu, pouvoir magique. Qui est mort ici? Le noob. J'adore. Passage dérobé droit devant. Pourquoi tu mens comme ça, toi? C'est quoi ton but? C'est pas possible. Madame Rani, nous vous avons attendu si longtemps. Puisse votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire tout, Caria. Madame Rani! Banzani! Où êtes-vous, madame? On vous attend. Alors là, en haut, normalement, il y a un marchand. Et l'on ne peut y accéder qu'en ayant vaincu le boss de ces lieux. C'est une astuce. Ah, que je vous donne gratos! Aïe! La fumée dans l'œil, non mais attends. Le mec, il a 12 ans. Je sais pas pourquoi j'essaye, je sais très bien que je n'ai pas assez. Et donc là, nous sommes sur les remparts du manoir. Eh bien... Exactement là où on doit être. Là, il va y avoir des trucs. Et des machins. Voilà, c'était sûr. Et tire alors... Ouais, voilà, très bien. Sors ton arbalète, ouais, bien joué.
Ça dégage. Joli esquive. Ok, par où ça mène ça? Toujours vérifier parce qu'ils sont bien prompts à nous mettre des passages secrets là. Salut les méchants, vous êtes méchants? Non, ils sont gentils. Regardez là par exemple. Hein. Ah voilà. Et ouais, et oui, c'est effectivement une sorte de passage secret. Qui mène? Alors où est-ce que ça mène cette merde? Ah oh ah i ah oh. Derrière nous avons un espèce de truc qui donne de la magie. Ok. Oh le fifou. Alors je le fifou. Quand je descends, j'ai pas besoin de toutes ces fioritures. Bonjour. Ah j'ai envie de pisser maintenant. Putain ma fille a envie de pisser celle-là. Oh l'épée de la nuit ardent. Meilleure arme du jeu. Cette précieuse épée du manoir de Caria est chargée d'histoire, l'une des armes légendaires. Les astrologues qui précédèrent les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes et considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Drôle de voisinage. Compétence unique, posture nocte flamme. Vous saisissez votre épée et vous préparez à lancer une sorcellerie. Oh, exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cercle. C'est vrai que ça a l'air d'être une putain d'arme. Tiens, un objet. Oh bah oui. Ça dégage. Comme dans l'infanterie, tu la fermes. J'ai beaucoup de blagues basées sur les militaires. Source d'humour intarissable. Alors bonjour, tu as l'air d'être un piège. Ça va. Regardez, ils font leur tai chi, ils font leurs petits exercices matinaux comme au Japon. C'est beau. C'est magnifique. Par contre, quand t'as trouvé. Bonjour toi. Oh la petite salope. Empaleuse de Caria. C'était aussi mon surnom dans l'armée. Bouclier du flocon. Est-ce qu'il y a des vrais cons? Putain. Ah faut que j'arrête, je suis vraiment au max. Je suis moi-même. Oh putain! Qu'on va faire? Ah bah on peut pas le faire. Bon. Ce qu'on ne va pas faire. On va se mettre à l'abri et je vais aller sep un coup parce que j'en peux plus. Waouh 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 waouh. Hey oh. Calmos. Je t'ai rien demandé moi. On va s'asseoir. J'ai dit, on va s'asseoir. Ah, oh, faut que je pisse. Doigt en avant. On va se mettre dans une posture de femme. Se reposer, sieste en tailleur. Parfait. Testons là. Ah, excellent. Ne bougez pas, j'arrive. Ah. Aïe, oui, aïe.
Allez hop. Ah, rue. Bonjour. Oh. C'est qu'on se gèlerait pas mal les burnes. Dis donc. Alors, nous sommes de retour dans le ring. C'est parti. Réveillons notre perso. La crampe. Une fois qu'on aura trouvé un habit en cuir, tout, vous verrez, tout sera plus clair. Alors là, par exemple, vous voyez, passage secret. Oh! Rien du tout. Toi! Tu es ignoble. Oh, regardez-moi ce moignon dégueulasse. Spectre droit devant. Effectivement. Regardez. Ah, ça, c'est un fou. Alors, on a découvert le secret de la chambre royale de mes couilles. Ah, tais-toi. Qu'est-ce qu'on a en face, là? Oh là là, on a des trucs de fou. Quelque chose d'incroyable droit devant. Ouais. C'est vraiment dingue. Comment on y va? C'est la piquette, Jack. Et ben voilà. C'est le meilleur jeu en fait. Aïe, ou quoi? Oh le bâtard. Bah alors. Oh non, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Chier quoi. Ah, ça fait déjà presque une heure. C'est du délire. Du délire ce jeu. Allez, on va essayer de speedrun. Oh, cette tête chercheuse, arrêtez! Oh, oh. Saloperie, me touche pas. Oh putain. Alors là, il faut sauter là, si j'ai bien compris. J'ai bien compris? Ça m'a l'air d'être un énorme piège. Mais alors là, ça mène où? Découvrons-le ensemble. Oh. C'est le secret. Alors oui, ça oui, je veux. Alors ça, je veux. Par exemple, ça c'est bien ça. On est à 2500. Ça vaut pas le coup. On va redescendre gentiment. Regardez, là, la petite astuce pour voir. Il n'y a rien. Parce que une fois, une seule fois dans ma vie, il y a eu quelque chose sous ces putains d'ascenseurs. Peut-être deux fois avec Bloodborne. Et du coup, maintenant, je vérifie à chaque fois. C'est comme la première fois que vous croisez un mimique. Surtout dans ce jeu. Vous allez passer le reste de votre aventure à taper dans les coffres avant de les ouvrir. Où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bourgeon cristallin givré.
m'a l'air totalement fabuleux, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, il vous a légué cul de sac. Manque cruel de postérieur. Ah, petit objet derrière l'escalier, là. Combien de vous l'avez eu, celui-là? Rune dorée 3. C'est mieux que la 2. Et là, maintenant, je vais regarder sous tous les escaliers. Bah voilà, merci. Merci le jeu. Oh merde. Rassemblement de connards. Chut, chut, chut. Tu t'étais. Un Urumi. Encore une lame. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bah je m'attendais pas à vous voir ici, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Oh merde! Bah tu tombes bien, je viens de me faire fumer ma race par un truc insensé. C'est le temps de prendre une madeleine. Heureux, Gameya. Alors ils dorment, tu leur as foutu un coup dans la gueule. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Une petite madeleine. Tu aimes les madeleines? Tu aimes Proust? Alors ce jeu, c'est un jeu compliqué, non, mais très dur. À la difficulté exacerbée. Mais juste, toujours juste. Et en fait, on va pas tuer cette merde. On va aller là. Et une fois ici, qu'est-ce qu'on trouve? Fort matin. Vas-y, viens, qu'est-ce que tu veux, là, Poufias? Ouais, regarde-moi, ouais. Ok, je suis venu ici, y'a rien en fait. Oh yes. Attends, quoi? Ok. Une pierre de forge sombre. Oh, ok, super. C'est tout. J'ai fait tout ça, pour venir là, c'est tout. Oh, je suis dégoûté. Fort matin. Faut revenir au matin. Est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Non, je croyais qu'il pourrait pas le dire. Je me suis turboken par la Vierge Marie, non? Par la Vierge de fer. Oh, la Vierge à tout faire! Arrête, non! Pourquoi moi? Oh bah non! On voit pas le bas du truc d'interaction que tu as mis. Quoi? Que dis-tu? Oh mais je suis où là? C'est des malades. Ah, tu veux parler du truc... Alors normalement... Vous étiez censé pouvoir me mettre des malus. Ah, bravo, Gameya. Tu as appris Internet. Mais vous pouviez normalement faire ça, mais alors, dès que je mets le jeu, dès que je mets ce truc de merde... En gros, je peux bouger ma manette de play, tu vois. Je joue avec manette de play, hop. Je peux bouger les trucs comme ça.
de haut en bas avec les flèches, mais je ne peux pas appuyer sur croix et les autres boutons. Donc en fait, j'ai abandonné l'idée, désolé. Mais oui, vous ne pourrez pas me donner de sous comme ça. Putain, je suis dégoûté. Et je suis sûr que vous êtes très dégoûté aussi. Ça aurait été un truc de dingue, mais malheureusement... Oh, le petit loulou. Qu'est-ce qu'il fait? Jamais tu saignes, voilà. Mais vous ne pouvez pas... Et je suis un peu deg. Parce que ça aurait été bien marrant. Mais ouais, dommage. Putain, tu m'étonnes. Me touche pas. Mais on va le retester sur d'autres jeux. Ne t'inquiète pas. On va voir s'il n'y a pas dans leur liste des jeux que je peux faire avec la souris et le clavier. Ce sera plus simple. Ouais, ça, en fait, ça mode le jeu, tu vois. Et ça, c'est un jeu en ligne, et pour éviter la triche, il y a un espèce de système anti-triche. Et ce système anti-triche, il détecte crowd control comme un truc qui permet de tricher, alors que pas du tout. Vu que ça enlève le online. Et en gros, en fait, ça marche pas du tout, leur truc. Attends, mais il y a une... Oh, il y a une échelle là depuis le début. Oh la honte. Donc on va essayer sur un jeu qui n'a pas de système anti-cheat intégré. Et à mon avis, ça ira mieux. Ouais, pour d'autres jeux où il n'y a pas ce truc, ça peut marcher. Ouais. Tiens, toi tu l'as dans le cul. Merci, bisous. D'ailleurs, attends, on va essayer de voir. Quelle est la liste de jeux et les jeux que je pourrais jouer dessus? C'est quoi ça? Coucher. Ok, et là on peut directement esquiver les bouffons. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur Crowd Control. Oh putain, j'ai roté violent. Alors... Bien sûr, nous avons la possibilité de jouer. Quel jeu j'ai? Putain, se trouve, j'ai des jeux, là. Non, ne connecte pas Elden Ring! Non! Ah! Pardon, je vous écris dans les oreilles, excusez-moi. Non, on s'en fout. N'installe pas, ne fais rien. Il a détecté le jeu, et là, maintenant, il veut réinstaller un truc. Attends, ça sort. Écoutez, on verra la liste de tous les trucs plus tard. Ça dégage, je peux même pas le faire dégager. Putain, quelle arnaque. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Rien? Ok, parfait. Alors, on aura la liste plus tard. Rien ne va dans ce stream. Oh, l'esquive. Non, mais je vous ai esquivé là. Norage. Toi t'es mort. Pff, oh le malade, c'est les fous. Me touchez pas. Pff, l'enculé de sa prostate. Excellent. Ah Tom, putain je me demandais, j'ai fait exprès de pas t'envoyer de message, exprès pour voir si t'étais encore un petit galopin. Mais apparemment, tu es un bon. Bravo, bien joué Tom. Tu as ma lettre, excellent. Tu me l'envoies sur mon mail. Bien joué Tom, tu vas me sauver la vie. Accueillons tous Tom dans le chat. Je veux des clapements dans le chat. Arrêtez les clapements, merde.
Alors là, je suis aux choses aguets, là. Ok, tout d'abord, saut. Lui, c'est chier. Est-ce qu'on se soigne? Pas besoin. Dommage. Alors moi j'ai vu un truc qui m'a dit sauter, je saute, hein. Je suis en derrière. Oh, j'ai utilisé ma fiole. On la modifie ensemble, ah ouais, carrément. Alors. Attends. Oh l'enculé! Oh le petit fourbe! Vas-y là! Je tue tes enfants, laisse-moi là, jarre à la con! Là je suis en pleine. Pleine attaque avec Jean-Michel. Vous avez compris, Jean-Michel jarre! Oh putain! Petite bite, t'as un chapeau, comment ça? Ah ouais, c'est la crampe! Avec la crampe, on voit son visage! Dès que je trouve un truc en cuir, je me le mets. Hein. C'est pas un chapeau, c'est mes cheveux. Oh, c'est ma perruque. Putain, tu mets des perruques, corps. Bien sûr, big up à Bilal Hassani. La star. Oh là là, là 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 là. Et pourquoi il recule quand il touche ce putain de bout là? Jamais tu saignes. Ouais voilà, merci. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Là y'a quoi là? Y'a quoi là? Y'a quoi là? Y'a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là? Bien. Un loup, on s'en fout. On bat les steaks. Pas le bandeau ce soir. Yann arrive. Oh ouais. Attends. Là c'est là, c'est l'angoisse là. Oh, d'où il fait ça? D'où il fait ça? Lui, jamais il m'a fait ça. Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Toi là, qu'est-ce que tu veux là? Tiens, je te fracasse la tête. Run! J'ai plus de stamina. Bah oui, effectivement, je n'ai plus de stamina, oui. Vas-y, tape. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, je me suis fait démonter. Ah, tu veux dire mon bonnet? Non, je ne mets pas de bonnet, je mets plus de bonnet maintenant. Arrêtez ces excentricités d'adolescent. Non, je rigole, il est juste là je me suis séché les cheveux, tu con, enfin, je me suis séché. Je sors de la douche. Non, oh, Taros. Je laisse mes cheveux sécher à l'air libre avant de pouvoir mettre des trucs dessus. Ah oh, putain. Ouais, c'est trop dur là, de le chat en même temps que ça là. Attends, ouais, ma vie, mais mon petit poney. Oh, me touche pas. Putain, mais je m'en fous en plus de mes runes là. Toi par contre, je vais te niquer là. Oh non, c'est bon, c'est bon. En finale, non. On va aller voir les petits parfumeurs là-bas. Là. Salut! Oh là là, l'épée dans le cul. L'épée dans le cul à poil dans la camionnette. Ouais, recule-toi là-bas. Hop là!
Attendez, attendez, attendez. N'importe comment là. C'est Wolf Urine. C'est Wolf Urine. Ah, hop là. Ça dégage. Bon, on est calme. Alors, le genre de jeu où j'ai pas de patience. Bon, j'arrête de causer alors. Trop d'informations. Putain. T'as voulu me piéger là. C'est bon, tu peux parler, regarde, le jeu est tranquille en fait, c'est une petite balade de santé. C'est sûr que c'est pas le jeu de la ferme dans l'espace, mais en même temps... Non, non, non! Elle a raison. La flaque 200 m'avait prévenu en plus. Et j'ai osé me foutre de la gueule du gars qui était mort comme ça. Putain. Quelle connerie. Allez, plus qu'une heure et ensuite on part sur un petit live des Saints Chill. On va pouvoir parler. Venez, c'est la radio libre. Parlez-nous de vos problèmes. Hyper concentré. Oh là là, oh là là, il est bien trop apte à monter les escaliers, lui. Alors, un petit saut. Un petit saut, putain, j'ai failli oublier le saut. Plus un grand saut. Putain mais putain de gosse. Comment ils se reproduisent? Ça n'a pas de tub. Ouais non mais oh 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 et oh 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 et oh. Voilà merde. Mort comme un caca, y a pas des dégâts de chute normalement. Ah bah si. Là on les a vus non? Je suis carrément mort. Mais attends, mais attends, mais attends, mais quoi? La pierre tombale. C'est ma faute. C'est ma faute. Pierre tombale dans mon cul. C'est dur de s'y remettre. Surtout quand on se lance comme défi de merde. De faire tout le jeu avec des griffes de couilles. Des griffes de couilles. Et vous voyez ces griffes? C'est de la couille. Et pourtant, c'est le gameplay Wolverine qui m'a pas vu. Et bonjour le Christian, mais tu le repasses mon Christofou là. Alors, il est où le tofu? Il est où le Christ et le tofu? Le mélange du Christ et du tofu, c'est Christofou. Elle est où la toféiade? Ah, son lap! C'est du Arto! Oh putain, mon du Arto, il est là! Excellence! Oh! Je me suis fait un peu gratter le cul. Allez, on va retenter la jarre une 16e fois. C'est parti. Attends, attends. Putain, mais tu sais qu'on pourrait se faire un arc, là. On pourrait se faire une vraie aventure, les gars, sur Twitch. Mais pourquoi je vous parle? Il me dit de te dire qu'il se gratte la bite en te regardant. Est-ce qu'il veut que je la lui gratte? Regarde. Est-ce que tu crois que mon perso irait bien s'il se grattait la bite? Je pense pas. Mais tu sais que le nouveau arc, il est gratos sur le Game Pass là. Il est là, hein. On peut le télécharger là. 100 gigas, c'est quoi? C'est 20 minutes avec la super fibre. C'est parti quoi.
Bande de salopes. Tu sais, avant, les mecs, ils se parlaient, ils se disaient « What's up ?» Nous, c'est « Salopes !» Attends, j'essaie de jouer par moi-même en regardant le rediff de mon stream. C'est super chaud. Ok, c'est bon. Duard Job, c'est le compte de ton fils. Ah, son fils s'appelle Duard Job aussi. Non mais attends, il a tête chercheuse maintenant, lui. On va y arriver, c'est promis. Oh putain, encore, il me baise encore. Allez, vous n'avez rien vu, c'est le speedrun. Mais saute bien! Il y a Chantax qui dort à côté, le téléphone à la main. Téléphone, tu entends bit. Elle le tient par la queue. Putain, on va y arriver, c'est promis. C'est moi, Duard Job, en vrai, ça a toujours été moi. Léo a juste pris quelques comptes à moi. Putain. C'est ça d'avoir les enfants. Ah, c'est pour ça qu'il m'a fait des dons de 50 euros la dernière fois. Putain, mais je croyais que c'était toi, merde. Je suis déçu, du coup. C'est pour ça que quand il a dit « Je vais prendre la carte à maman et papa », putain, d'accord, je croyais que tu parlais de tes parents. Putain, merde. Duard Job, c'est mon légende de GTA. De GTA ! Putain, il m'a même pas follow. Follow moi, Duard Job, s'il te plaît. Tu seras gentil. Ça me fera des stats, ça me fera des sous. Peut-être, un jour. Allez, cette fois, c'est bon. On va pas rater des sauts d'enfant pendant 2 ans non plus. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là ? Promis, ce soir, on bat Malenia. Je rigole, bien sûr. Calmez-vous. Calmez-vous sur le chat, hein. Attends, que je sois moins bon avec cette zone insupportable. Ok, là, il faut descendre là. Dégage. Ok, on descend là. Qu'est-ce qui se passe maintenant, une fois qu'on est ici? Une fois qu'on est ici, on peut descendre à nulle part. Une fois qu'on est ici, c'est la merde. Ok, on peut aller là. Ah yes, et bienvenue à toi, Duarto. Tu vas passer modérateur très vite. Comme ça, tu pourras ban des gens et tout, ça va être énorme. Oh! Me touchez pas. Je speedrun. Pas le temps de diaiser. Oh, je sens qu'ils font des trucs de dingue, là. C'est où la suite? C'est là. Tu vas pouvoir être modo aussi, Tom. Ne t'inquiète pas. Tout le monde sera modo. Le temps que je trouve. Comment descendre de cet enfer? Ensuite, on va aller poutrer la sale race de chiens de chien roux, là. Et ensuite, on sera bon. On pourra même se faire un petit live dessin, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passait, quoi, ça? Ah ouais. Ah, pour un mec qui touche pas la magie comme moi, c'est génial. D'accord, on revient là. Eh bien, écoutez, non. Oui, voilà. On va se mettre là. At Duard Job. Patate. Nous avons une patate dans le chat. Concentration ultime. Pourquoi je suis passé par là? Je sais pas. Le speedrun, arrête de me toucher, toi! Nom de Dieu! Ah, c'est le boss directement! Ah ouais, merde!
Ah non, mais ouais. Ah, ça y est, je m'en souviens, là. C'est la chasseuse lunaire de mes couilles, là. Oh non. Loretta, I didn't get it now. Ouais, bah ouais, bah bien sûr, bah oui. Ah oui, Fijin Marika, ouais. On va pas se taper tout le run non plus. Respirons un coup. Ça va, c'est juste là, on est bon. Là. Je vais voir ce qu'il nous raconte, le beau du hard job. Comment ça va, Duart? Alors, tu vas voler le compte à ton fils, il paraît. Pourquoi je peux pas... Ok. Nanani nanana. Ah oui. Son compte de Arc. Je garde le contrôle de l'empire de Duarte Maximilien Jobu Dané, aka Duarte Jobu, aka Duarte Job. Mais oui, c'est clair. Alors, maintenant qu'on est tranquille, je vais pouvoir vous dire la liste des jeux. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Mais on va pouvoir. Pourquoi il n'y a que des jeux Zelda là? Voulez-vous donner le contrôle de mon perso? Mais on ne peut pas. Palworld, on peut jouer. On peut faire des trucs comme ça sur Palworld, j'y crois pas, délire. Alors, putain, alors regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est une question de dingue. Attends. Il faut toute ma concentration pour la lire. C'était quoi le titre de ta musique hier vers 2h12 de stream sur le premier stream de la journée d'hier? Le petit bonhomme en mousse. Alors attends, là elle me pose des questions complètement fallacieuses. Le petit bonhomme en mousse. Alors attends, là elle me pose des questions. Ah ouais, d'accord, en fait. Le petit. Excusez-moi, j'avais pas vu, mais sur mon propre truc, il y a un truc de dingue. Clique ici, tout interact. Ça marche plus, alors on va décliquer ça. Ça dégage. Casse-toi. Voilà. Puis alors on va décliquer ça. Ça dégage. Casse-toi. Voilà. Ah ouais. Puis alors on va décliquer ça. Ça dégage. Putain, on va entendre ça en 6 fois. Ça va être génial. Alors c'est une question complètement incroyable auquel je ne pourrais pas répondre car c'était une playlist faite exprès pour que je n'ai pas à m'en occuper. Mais si tu veux, je t'enverrai les références en chuchotement. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais-m'y penser surtout. Oulala, je risque d'oublier. Hein. Allez, on bat Loretta, promis, et ensuite on part sur un autre jeu. Ok, c'est easy. J'étais pas concentré, mais là c'est finito. Là. Oh là là, quel combat épique! Qu'est-ce que tu veux, Loretta? Hop là, je bouge même pas là, regarde. Je fais même pas de roulade, t'es pitoyable. Arrête, c'est bon. Mais on est où? Dans les douches à l'armée? Oh là là, c'est pas bon! Oh la feinte! Oh là là! C'est la démontada! Ok, tout va bien. Ça risque de gueuler, hein. Excusez-moi, d'avance. Saturation du micro incoming. Et ouais, les gars, on peut même se mettre sur Discord et tout pour faire n'importe quel jeu là. Ok, me touche pas! Salope! Je tentais la glissade, c'est pas cool. Ok, me touche pas, j'ai dit. Me touche pas. Je suis offense phosmaphobe. Comme dans Death Stranding, vous l'avez dans le chat. Attention, esquive. Voilà. Attention, elle a un arc.
Hop là. Encore. Hop là. Petite, petite salope. Non mais c'est une pute, c'est une pute. Putain, le mec il est trop à fond quoi. Qu'est-ce que tu veux ma belle? Bref. Oh là 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 là, j'ai plus de stamina, c'est bon, on se régénère. Ok. C'est le first try. Oh la sale salope. Oh putain de sa race. Loretta, I just can't get enough. Voilà, qu'est-ce que tu veux, Poufias? Oh là là, mais c'est le... C'est le perfect. Oh là, j'ai plus de stamina. Oh, j'ai plus de stamina, j'ai dit. Pas bien. On va baiser une chèvre. Oh putain. Pas lui la chèvre. Me soigne ou pas? Allez, c'est parti. Hop là! Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Oh, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Et du Arto, j'ai fait un perso, c'est la crampe. C'est la crampe les origines. Oh, elle a pris cher, elle a pas aimé. Oh putain, j'ai pas aimé, non. Mais non! Oh, la mitraillette magique, putain, quel enfer, quel enfer. Allez, c'est le first try. Salope. Un live stream à base d'insultes rédhibitoires. Ce soir, on speedrun le ban Twitch. Attends, mais je peux tricher là. Voilà, un petit coup de Pokémon là. Ouais, allez, vas-y. Pas possible. Là, c'est pas possible ce qui se passe. Bonjour, c'est Pacific Sound 3003 ce soir. On va prier Jéhovah, 3003, on va prier l'amour de Jéhovah.
cocktail de nectar, de jus de fruits. Concentration, c'est le first try. Attention, ça c'est... Ça c'est salope, ça. Allez, ressuscite, ressuscite. Viens là, petite pute. Je peux même pas appeler mon propre cheval, quoi. Pas fixer un cocktail de jus de foudre, putain, mais on dirait que t'as un emoji avec ta propre tête, c'est délire. Touche pas à mon squelette! Elle a touché à mon squelette. Cette grosse tympe. Qu'est-ce que c'est fait? C'est quoi? Ça sert à quoi ça? C'est ce truc qui m'a baisé tout à l'heure là. Ça en fout! Putain, mais il est sort d'où ces trucs? Oh putain, elle m'a empoisonné dans la vraie vie. Tout va bien. Allez, repentons-nous de nos péchés. Arrêtez de faire des têtes, ça me déconcentre. Quelle pute! Oh là 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 là, c'est laborieux. Mais elle est intouchable. Hop! Quel turbo salope! Oh putain, c'est la turbo saloperie là! Ne serais-je pas under level pour cette pute? Tant pis. On va la faire quand même. Et c'est ça ce jeu. C'est, t'arrives, tu n'es pas level pour faire un truc. Il y a des mecs qui vont faire d'autres machins, tu vois. Moi je fais le truc. Mon dieu, mais c'est Batman. Batman. Mon dieu, mais c'est Oppenheimer. Turbo salope. Ce sera le titre de la VOD, hein. Loretta la turbo salope. Je vous préviens. Ça va être un ban YouTube et un ban Twitch en même temps. C'est du jamais vu. C'est très risqué ce que je fais. Je vais l'avoir avec panache et brio, deux amis à moi. Oh putain!
Ouais, mais c'est rotatif aussi. Tellement de sel. Tellement de sel, je vais lui saler le cul, tu vas voir. Je vais lui griller au barbecue, cette pute. Pardon. Pardon, bien sûr, à la modération de Twitch qui m'écoute. Bien sûr, c'est sous couvert de l'humour et de l'euphorie collective. Un jeu à base d'amusement et d'euphorie collective. Des chiens qui couchent avec des chats, l'hystérie collective! Dogs and cats laying together, mass hysteria! A chaque fois, hein, c'est dingue. Je peux pas m'en empêcher. Ah oui, génial. Oh putain, pourquoi je suis accroupi? Boîte à poisson! Mais c'est vraiment la dernière des connasses celle-là. Ah, il a voulu me mettre un petit coup de sabot, vous avez vu? Bah alors. Voilà, concentration, on me rush pas, regardez, on attaque. On esquive, elle arrive. On l'esquive, elle va nous remettre un coup. On l'esquive encore, c'est le record. Allez, on se calme. BPM à 16. Oh là là, oh, c'est inédit ça. La musique est incroyable. Ok. Vous avez vu, elle en a lâché un en tout dernier là. Pour me baiser, ça ne marche pas, ça ne prend pas avec moi, madame. You wanna fuck with me? You gonna fuck? Attention, c'est son coup de malade! Ok, je l'ai eu. Elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà morte. Ouais, ça c'est nouveau, ça. C'est tout bien. Oh là là, elle en fait en différé maintenant, mais c'est une dingo, là. Turbo salope, c'est ton nom. Loretta, turbo salope royale. Attention, c'est sa tête chercheuse, ça. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est fait? Ah. On va pas prendre de risque. Ça. Pute. Oh putain, il lui reste un PV. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, vas-y, donne-la moi. Oh là là. Ta gueule. Allez hop. Qu'est-ce qu'il racontait là pendant que j'étais en train de souffrir ma race? Gabé, Abé, Christian, il est en PLS. Pourquoi est-il en PLS? Est-ce qu'il est bourré? S'il est bourré, mets un doigt dans son cul et un doigt dans sa bouche. Et s'il ne réagit pas, inverse.
Avec les mêmes droits, hein, bien sûr. Putain, enfin, on a réussi à la baiser. Dragon, dragon, 8-8-8-8-8-8-8. Pas mal. On a tous reconnu la référence à Dragon Ball Z. Ah là, eh oui. Ok, 10 000 trucs. Et ben voilà, on l'a eu cette pouffe. On va gentiment prendre notre level. Dragon Ball Z, Z, Z. Le genre, Son Gohan. Ok. C'est quand même des gars qui se mettaient en cercle dans leur petit siège et qui admiraient le reflet de la lune dans leur superbe miroir. Regardez, comme maintenant. Il n'y a pas la lune, très bien. Incroyable. Eh bien, dors bien et surtout, remets-toi de ta cuite, hein, parce que, évidemment, tu es complètement pété, tout le monde le sait. Tu as bu de verre. Tu es saoul. Demain ne meurt jamais. Mama never die. Donc maintenant qu'on est là, attendez. C'est le secret des pâtes. Un peu d'huile, un peu de sel. Les trois sœurs, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça que je voulais. Regardez-moi ça, c'est pas beau, c'est la crampe. Regardez comme elle court, la crampe. L'ultime crampe. Oh, regardez, un animal. Viens là, viens là. Putain, le caillou. Oh. Attends. C'est la biche de légende. Non, c'est bon. Juste pouvoir sauvegarder encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est actuellement bloqué. Putain, j'ai une crampe. Putain, j'ai moi-même une crampe au pied là. Ah. Ah, ta mère. Faut que je boive plus d'eau, bordel. Donc là, nous avons un petit dragon magique. Totalement rigolo. Et gentil. T'es gentil, hein? Oui, t'es gentil. Laissez-moi parler à Rani, nom de Dieu là. S'il vous plaît. On va pas énerver le dragon. Il aime bien les trois sœurs. Ça m'étonne pas ça. C'est bien sûr une référence de la part de Miyazaki aux trois Suisses, le chouchou. Ce fameux catalogue qu'on pouvait gagner dans l'émission Motus. Souvenez-vous. Rappelez-vous, leur cadeau, c'était plus ou moins deux pulls offerts par le catalogue Les Trois Suisses, le chouchou. True story. Si vous avez un jour été malade et que vous n'avez pas pu aller à l'école, croyez-moi bien que normalement vous êtes au courant. Ah, merci, un feu. Ah, mais Malenia, mais qu'est-ce que tu crois là? Regarde, j'ai recommencé un perso là. Regarde, elle est où Malenia? Elle est plus ou moins vers là-haut, sauf que la map nous le dit pas, tu vois. D'ailleurs, on n'a même pas fait la Kaelid, on n'a même pas fait Radahn. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Malenia? Allez, on se repose, on est bien. Bertho, il aime bien le gif de la petite meuf qui la tête comme ça. Étonne. Attends, faut que je parle à ma waifu d'abord, comme ça au moins c'est fait. La meuf aux 4 bras, idéal quand tu as 4 pénis. Bien sûr, comme tout le monde. Dans ce monde exceptionnel, le monde de Elden Ring.
Ah. La puta. Oh. Again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. C'est délire quand même. Une énorme bite. Alors attends, parce qu'apparemment le mot bite est interdit dans mon chat. Oh le lag. On va autoriser le mot bite. Voilà, c'est permis. Le mot bite est désormais permis sur ce chat. C'est le meilleur chat du monde. N'ayez pas peur. J'ai jadis dérobé la mort. C'est quand même une drôle de manière de d'engager les gens. Bonjour, je vais trahir tout le monde et foutre tout le monde dans les ténèbres. Voulez-vous participer? Voulez-vous en savoir plus? Je vais me mettre au service de cette poupée géante. Ça, c'est du beau chapeau, madame. Voilà, elle veut que je lui donne satisfaction, t'inquiète pas. Je prépare mon énorme bite. Mais non, c'est bon, j'ai permis ton... si, elle suce. Il s'auto-censure maintenant. Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, nickel. Ok. Yeah, man. On fait ça, merci. Attends, elle me dit encore des choses. Ok. Bon, en gros, elle veut trahir tout le monde et instaurer un nouvel ordre qui n'est pas l'ordre d'or. Et pour ça, elle a tué le premier dieu. C'était la première à tuer un demi-dieu, pardon. Ce qui a fait que ça a foutu la merde, laisse tomber la neige. Et maintenant, elle veut qu'on se mette à son service. On va faire ça, bien sûr, parce que c'est le meilleur choix. Vous l'aurez compris. Ah, parce que... Attends. Oui, Nocron, oui, même couille. C'est quand même une meuf qui a réussi à voler le concept de la mort lui-même, tu vois. Avant, personne ne mourait. Et non. Eh ben non, tu retournais à l'arbre de vie, tu vois, et ensuite l'arbre te redistribuait, comme ça tu ressuscitais. Oh mon dieu, le lag, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Attends, c'est l'arbre mojo là qui fait ça? En train de me faire des dos? Voilà, tu retournais à l'arbre de vie et tu te faisais réincarner par la sorte. Oh là 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 là! Mais cette pute ne voulait plus que ça se passe comme ça, parce qu'il y avait aussi d'autres inconvénients. Donc elle a volé la mort, le concept de la mort, pour pouvoir tuer des mecs. Et le fait qu'elle ait fait ça, fait que maintenant, en fait, on ne peut plus mourir tout court. Et non, c'est pour ça qu'on ressuscite. Voilà comment expliquer dans votre jeu que votre personnage ne puisse pas mourir. Non mais attends, là c'est dingue le lag là. Ouais, yes. Nombre d'images par seconde insuffisant pour jouer en ligne, retour à l'écran. Eh bien, je pense que c'est un signe du destin pour changer de jeu. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Changeons désormais le jeu. Incroyable, jamais ça m'avait fait ça, hein. C'est du délire. Qui c'est qui est en train de me DDoS? Un problème relatif au nombre d'images par seconde, mais c'est du délire. Du hard job, remets-moi mon internet là. Oh, wow, wow. Sale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment lui, sinon je suis sûr que c'est... Non, il nous sort un mytho comme les mecs qui jouent à GTA là.
Qu'est-ce que t'as fait avec le chat? Y a rien du tout, qu'est-ce qu'il raconte? À quoi est-ce qu'on pourrait jouer les salopes? Attends, je vais tester le système crowd control pour que vous puissiez foutre des malus quand je joue là, ça c'est drôle ça. Alors non, alors attends. On va faire un truc incroyable. Ah, on a quitté Elden Ring. Ah, mais c'est pour ça, ça faisait bugger complet. Là. Ah bah attends, mais non, mais ça... C'est pas possible, alors ça les a pas marqués sur le chat, là. Voilà, j'ai tes images, il y a trois lignes, ensuite il y a Tom Wolfe qui dit qu'il aime bien les trois sœurs, ensuite qu'on l'appuie, blablabla, et hop. Putain, mais ça, salaud. Ça se trouve, c'est toi, hein, petite pute. Petite cochonne. On est deux minutes que je roule. Et j'arrête la VOD comme ça, hop.